Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire ? Partagez pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Sommet Russie-Afrique. Les dirigeants africains arrivent à Saint-Pétersbourg. Mercredi, les dirigeants africains ont commencé à arriver à Saint-Pétersbourg pour participer au deuxième sommet et forum économique Russie-Afrique. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour du sommet, la sécurité alimentaire et l'avenir du groupe militaire Wagner devraient occuper une place de choix. Le gouvernement du président Vladimir Poutine fait face à de nouvelles pressions pour démontrer son engagement envers le continent africain, qui compte environ 1,3 milliard d'habitants et gagne en influence sur la scène internationale. La Russie cherche à renforcer ses liens avec la région, qui est considérée comme particulièrement accueillante envers elle. Ce sommet représente une opportunité cruciale pour la Russie de développer des partenariats économiques et politiques stratégiques avec les pays africains, alors que d'autres puissances mondiales se tournent également vers l'Afrique pour renforcer leurs relations commerciales, diplomatiques et sécuritaires. La Russie souhaite saisir cette occasion pour étendre son influence dans la région. La sécurité est un enjeu majeur pour de nombreux pays africains confrontés à des défis tels que la sécurité alimentaire, la malnutrition et les crises humanitaires. La Russie peut jouer un rôle clé en aidant ces pays à développer leurs secteurs agricoles et à accroître leur production alimentaire. En ce qui concerne le groupe militaire Wagner, cette société de sécurité privée russe est souvent associée à des interventions militaires controversées dans plusieurs pays africains. Sa présence et ses activités suscitent des inquiétudes dans la région. Le sommet pourrait être l'occasion pour les dirigeants africains de discuter de l'avenir de ce groupe et de ses implications pour la stabilité et la sécurité dans la région. En parallèle, les délégations africaines pourraient saisir cette opportunité pour tenter de négocier la paix en Ukraine, compte tenu du rôle de la Russie dans ce conflit. Cela démontre l'importance de la diplomatie multilatérale et de la coopération régionale pour aborder les questions de paix et de sécurité dans différentes parties du monde. Dans l'ensemble, le deuxième sommet et forum économique Russie-Afrique offre une plateforme cruciale pour les dirigeants africains et russes de discuter de questions clés telles que la sécurité alimentaire, la coopération économique, la sécurité régionale et les relations politiques. Les décisions prises lors de ce sommet pourraient avoir des répercussions significatives sur les relations entre la Russie et l'Afrique à l'avenir.